Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle recette, la quiche Lorraine. Alors je vais vous apprendre comment on fait une pâte brisée, la garniture, je vais vous apprendre à faire une crème prise à base d'œufs, de crème, de lait, à détailler des lardons, à foncer un moule pour une quiche. Alors suivez-moi. Voilà, c'est parti. Je mets en place mon robot. J'ai mis 500 g de farine pour 250 g de beurre pommade. Je vais faire ce mélange. Et là, ça remue. Il nous faut un mélange sableux. Voilà, le mélange se fait avec la farine et le beurre. Je vais incorporer les œufs. Moi, je ne mets pas d'eau dans la pâte, je mets directement des œufs entiers, le blanc et le jaune. En l'occurrence, j'en ai mis 3. Je vais mélanger et voir ce que ça donne, si la pâte est bonne ou pas bonne. La pâte se décolle des parois, comme vous pouvez voir. Nous avons une jolie pâte. Voilà, la pâte est prête. On l'arrête. Nous allons la mettre en boule pour la faire reposer. La pâte est prête, je vais la mettre en boule et la laisser reposer 2 à 3 heures. Voilà, je vais prendre un petit peu de farine étalée sur mon plan de travail. Je vais me fariner les mains. Ma pâte qui est là, belle pâte, ça, plus besoin à la plonge. Et nous allons la mettre en forme. N'ayez pas peur de bien la mélanger. En principe, la pâte se décolle bien de la table et du batteur. Voilà, là on a une belle pâte. Voilà. Surtout, bien la filmer au contact. Je vous montre. Voilà. Les pâtes, je les ai divisées en deux parce que je vais faire deux quiches. Voilà, les mettre en forme, les filmer. Vous n'avez plus qu'à les laisser reposer pendant 2 à 3 heures et nous allons attaquer la garniture qui sera lardon fumé pour la quiche importante, du râpé et je vous montrerai comment on fait une crème prise. Alors à de suite. Les lardons fumés qui ont été découpés en lardons comme vous pouvez les voir, là il y en a beaucoup parce qu'il y a deux quiches comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais les mettre à blanchir dans une eau. Départ à froid, première ébullition, on les sort les lardons. Les lardons sont dans l'eau et là ils sont en train de blanchir. Je vais les refroidir à l'eau froide après cuisson. Voilà, les lardons arrivent pratiquement à la fin. Comme vous pouvez voir, l'eau s'est troublée. Là nous avons blanchi. Départ au froid, nous allons lever l'excédent de sel qui aurait pu avoir sur les lardons. Donc maintenant, à la première ébullition, je les sors, je les rince à l'eau froide, je vais les réserver de côté. Là, dans ma quiche, je vais y mettre du jambon blanc. Il me restait un cul de jambon blanc. Je vais couper en cubes. Mes lardons blanchis, je vais les rajouter avec le jambon blanc. Ça fera deux viandes. Les lardons et le jambon. Donc, nous allons faire la crème prise. La crème prise, qu'est-ce que c'est? C'est nu et moins un flan. C'est du lait, de la crème, des œufs. Pour moi, c'est 3 œufs entiers, 2 jaunes, 200 g de lait, 300 g de crème. Je vais faire ça, assaisonner sel, poivre. Une noix de muscat, moi perso je ne suis pas très fan, mais dans la recette il faut en mettre. Et attention, dans la quiche, vu que je vais mettre du râpé et les lardons ont été blanchis, salez un peu moins votre appareil à prise. 200 g de lait ont été pesés, je vais peser les 300 g de crème. Voilà, les 300 g ont été pesés. Donc,
Maintenant, j'ai le lait et la crème qui sont mélangés. Je prends mes 3 œufs entiers, mes 2 jaunes, et je vais fouetter pour un appareil beaucoup plus homogène. Voilà, maintenant, n'oublions pas de poivrer. Voilà. De saler, important, comme je vous dis à chaque fois, vérifier l'assaisonnement. Pas trop de sel parce que le râpé est salé. Et on y met un dernier coup de fouet. Tout est bon. Nous allons passer au montage de la quiche. Foncez un moule. Une fois que la pâte sera sur le moule, on verra étape par étape. Nous allons mettre le râpé, les lardons, la crème et en cuisson au four. Voilà, j'ai le moule qui va me servir à cuire ma pâte, ma quiche dedans. On pourrait beurrer et fariner pour que la pâte n'accroche pas. Mais moi j'ai une astuce qui est beaucoup mieux. Après chacun fait comme il veut. Vous prenez du papier suffu, vous le mettez sur votre moule, la pâte dessus, comme ça, si la pâte, le lait, l'appareil à crème prise, bien qu'à couler, ça ne collera pas sur la pâte, car vous pourrez toujours soulever votre papier suffu et la quiche sera dessus. Ça vous évitera de gratter pendant 2 heures le plat. Astuce de chef, le rouleau, les deux mains, vous donnez autant de pression à droite qu'à gauche. Et on fait pousser. Voilà, tout simplement. Il faut qu'on ait la même dimension, hauteur de là que là. Que là, que là. C'est une simple pression au milieu. Et c'est les deux mains en même temps qui poussent. Et on ramène. Et on pousse, ça ramène. On pousse et on ramène. Voilà, après vous pouvez faire sur le côté. Je vais l'étaler. Et vous comprendrez comment et pourquoi la forme du moule. A de suite. Voilà, ma pâte est étalée, comme vous pouvez voir, faite des deux côtés. Alors, pour savoir si le moule est assez grand ou assez petit, on a le moule, on le pose au-dessus. Et on voit que la pâte est capable de recouvrir tout le moule. Maintenant, je vais mettre mon papier sulfurisé. Et je vais vous montrer comment la mettre dans le moule avec le papier sulfurisé. Voilà, le papier sulfure est mis. La pâte, elle est enroulée sur le rouleau à pâtisserie. Et je fais glisser. Voilà. Là, on va décaler un peu. La pâte. Voilà, la pâte est foncée. Le moule est foncé. Qu'est-ce que je vais faire? Je la mets bien contre les bords. Je vais la piquer et je vais la remettre au froid pour qu'elle fige. Une fois qu'elle figera, je vais couper et faire une des bords beaucoup plus propre. Ma pâte est piquée, bien étalée, bien foncée. Alors, nous allons commencer par mettre du gruyère au fond de la tarte. Voilà, voilà, on en met suffisamment, mais pas énormément. Ce qui va me servir d'imperméable. Que si la pâte est cassée en dessous, ça ne coulera pas partout, parce que le râpé pourra absorber. Nous allons y mettre des lardons et jambon, on remue bien. Une belle poignée, par-ci, par-là. Voilà, ça c'est une quiche extra garnie. Hein.
Attention, hein. C'est pas la quiche pour le régime. C'est la quiche comme pour moi, avec un peu de ventre. Hein. La cuisine, il faut que ça plaise. Et vu que ça plaît, on aime manger. Donc, on n'est pas taillé comme des mannequins. Là, ma crème prise, je la mets dedans. Je le remplis. Voilà, deux bonnes grosses louches. On va attendre que ça monte. On va remplir même avec une petite troisième. Voilà, et là c'est. Et je l'envoie au four à 220 pendant 20 minutes, 180 pendant un quart d'heure. Je dirais un quart d'heure, 20-25 minutes. Il faut que ça soit cuit. Et on se retrouve après cuisson. Voilà, la quiche vient de sortir du four. 220, 20 minutes, 180, 10, 20 minutes. La quiche est cuite. Nous allons la démouler et voir ce que ça donne. Voilà, la quiche est démoulée. Comme vous pouvez voir, super jolie. Voilà les amis, vous avez la recette. Vous n'avez plus qu'à la réaliser pour vous ou vos convives. Rien de compliqué, que des bons produits. Alors à vous de jouer, en vous souhaitant un excellent appétit.